Salut les enfants, pardon, je suis avec Stéphane Peter-Hansel qu'on ne présente plus, multiple vainqueur en moto et en voiture. Monsieur Peter-Hansel m'a fait rêver à l'époque où j'étais docteur et je les suivais. Maintenant, vous le savez, je suis derrière eux dans la course en amateur. Et ce message qu'il va vous donner, c'est celui que je vous donne, c'est de suivre vos rêves. Si je suis là à côté de lui, c'est bien parce que j'ai eu la niaque pour créer ce projet avec vous. Stéphane, s'il te plaît. Ouais, je pense que le Dakar est une sacrée école de courage, de persévérance et puis en fait de bonheur à la fin. C'est-à-dire que on sait que la vie n'est pas facile, il y a des obstacles partout. Mais si on a la motivation, la force de les surpasser, après on a beaucoup de plaisir. Et surtout, il faut jamais rien lâcher, jamais rien lâcher. Never give up. On vous le traduira en toutes les langues. Mais les 61 nationalités du Dakar ici, on pense tout le temps à ça. On lâche rien, il y a toujours un pote pour nous aider. Et Stéphane en parlait à la presse, ses amis motards, Cyril Després, Nani Roma l'ont aidé. Et il est encore là, et moi je lui souhaite de gagner cette course parce que c'est mon top pilote, c'est comme ça. Et même si les autres sont parfaits aussi, voilà. Merci beaucoup et merci très belle course. Merci.